Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et c'est parti! Alors, le petit F5, le petit F1 de l'amour, on remet l'armure! Niarp, niarp, niarp! Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu plus la pêche que ces derniers temps. Hop là, j'espère que vous, ça va bien. On va faire ceci, n'est-ce pas? J'en aurais besoin de 4 dans l'immédiat. Donc quand on fait ceci, vous voyez, avec les nouveaux blocs de la 1.10, on obtient le bloc de briques rouge du Nether. Ce bloc ne peut pas se mettre en escalier ni en dalle. Quoique en dalle, j'ai pas essayé, mais il peut pas se mettre en escalier. J'ai essayé tout à l'heure et je vais vous montrer pourquoi. Alors attendez, je vais simple... On n'ouvre pas cette porte. Putain, c'est ça qui peut nous faire tuer. Je vais simplement, comme vous le voyez, me mettre safe déjà pour mettre mon bouclier. Comme vous le voyez, j'ai passé la nuit, mais un peu tard. Le temps de mettre le rec en place. Et donc, je m'éloigne de ma maison au cas où un creeper aurait eu la bonne idée de spawner. Lui, on en fait son affaire. Voilà, hop là. Oui, j'ai un peu plus la pêche par rapport à la dernière fois ou aux derniers enregistrements. Bah parce que bah, j'ai moins mal à la tête, j'ai plus mal à la tête. Voilà. Enfin. Ça va, Mia? Niveau santé. Ma gorge, toujours pareil. Hein. C'est pas, ça, c'est pas mieux avec ma gorge. Mais ça, je me soigne. J'ai un traitement pour. Donc voilà, il n'y a qu'à attendre que le traitement fasse effet. Voilà, vous pouvez voir qu'ici, il y avait la petite cabane que j'avais fait avec les verrues du Nether que ML m'avait donné. Elle n'y est plus. Tout simplement parce que j'ai finalisé le coin des verrues du Nether. Donc vous voyez, j'avais testé les briques rouges en escalier parce que ça, c'est des escaliers retournés et je voulais le faire en rouge, en plus rouge. Ça aurait été sympa. Mais manque de bol. On ne peut pas les mettre en escalier, donc on ne doit pas pouvoir les mettre en dalle non plus. Voilà. J'ai fait 4 autres briques rouges. J'aurais dû en faire 4, j'en ai fait que 2. Excusez-moi. On va repartir. On va faire en arrière. Vous voyez, j'ai fait une poubelle aussi. Une poubelle, bon ben là c'est du vite fait puisque c'est la safe house, hein, c'est pas la maison définitive. Donc c'est du vite fait, mais j'ai fait une poubelle cactus avec la petite barrière pour éviter qu'on tombe dedans. Sympatoche. C'est la poubelle que je préfère. Hein. Il y en a qui préfèrent la lave. Je ferai peut-être avec de la lave parce qu'on doit pouvoir. On doit pouvoir la faire aussi, on va pouvoir la faire avec de la lave aussi. Cactus c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Oui, on peut la faire avec de la lave, mais c'était pas on doit pouvoir. C'est on peut la faire avec de la lave, je préfère le cactus pour ma part, voilà. Mais je la ferai peut-être avec de la lave pour un style plus survival RP. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. Donc on va là-bas. On va hop là, éclater celle-là et la remplacer par celle-là, tout simplement. Pareil ici. Hop là, où on garde la pioche. Pourquoi pas. Hop, voilà. Là, je voulais garder le côté naturel, mais, j'ai comme envie. J'ai comme une idée. Et ça me reprendra encore de la brique rouge. Non, parce qu'il y a l'escalier là. C'est un bloc, c'est pas l'escalier, c'est un bloc. Alors attendez, bougez pas. On en fait des va-et-vient. C'est une idée qui vient de germer dans mon cerveau tourmenté, les amis. Hop,
Mais ton épisode n'est pas préparé, si un petit peu. Mais vous savez, j'y vais toujours un petit peu à la YOLO, parce que en général, c'est ce qui fait des épisodes assez pas mal, quoi. En général, j'ai remarqué que quand je prépare pas mes épisodes, c'est là où ils sont le plus longs, en plus. Tant pis pour ceux qui aiment pas, hein. Voilà. Du coup, là, faudra mettre en pierre taillée, ça serait mieux. Et faire rejoindre les deux. Une, deux, une, deux, et hop. Oh, j'ai une idée. Oh, les amis. Donne-moi la pierre taillée. Justement, on aura besoin de deux. Vous allez voir. I have a Heidi, Heidi, hey. Heidi, hey. Deux pierres taillées et on va mettre une glowstone, les amis. Oui, j'ai encore des diamants dans mon. Tous ces diamants. En parlant de diamants, faut que je vous montre quelque chose. Non, j'ai pas trouvé un filon. Hein. Regardez, hop, on met ces deux-là à la place. On met. Ah, j'aurais dû prendre plus de pierres taillées, mais Fred, bon Dieu, le jour où les cornichons voleront, tu seras chef d'escadrille, mon pauvre Laolès. Voilà. Je suis sûr que vous avez encore pas entendu cette expression. C'était une de mes profs qui les disait à l'époque, quand on répondait à une connerie ou quand on. Quand on faisait des conneries, on était assez turbulent quand même à l'école. Hein. Comme vous devez l'être aussi, certains de vous, j'en suis sûr. Hop, 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 Jean, je t'ai entendu, toi. Tu es où? Saloperie. Ouh, j'ai réagi, attends, dites donc. Viens, viens là, viens là, viens là. Viens, mon petit amour. Mon petit amour. Oh. Wouah, comme j'ai réagi à temps. Wouah, comme j'aurais ragé. Enfin base donc pour me reprendre après cette petite frayeur. Donc ma prof avait l'habitude, donc quand on faisait une connerie ou qu'on répondait à des conneries monumentales, en le faisant exprès, hein, quand elle nous demandait quelque chose et qu'on répondait une connerie monumentale et que ça riait. Entre nous, c'était sa phrase fétiche. Le jour où les cornichons voleront, tu seras chef d'escadrille. Voilà. C'était la petite phrase fétiche d'une de mes profs. Je crois que c'était la prof de français, il me semble. Je ne me rappelle plus exactement, par contre, la prof de quoi c'était. C'était la prof de français. Il me semble que c'était la prof de français ou d'histoire géo. Qui était la même d'ailleurs, c'était français histoire géo, c'était la même. Enfin baste! Je me suis fait une pelle, j'avais 30 niveaux, vous voyez, j'en ai plus que 27, parce que j'ai directement arrivé à 30, j'ai été enchanté au spawn. Et qu'est-ce que j'ai eu sur ma pelle avec un enchantement à 30, les amis? Hop! Solidité 3, efficacité 4 et toucher de soi. Ouah, ouah, ouah. Coco Charlie Brown. On va aller du côté du village, des choses à vous montrer, des choses à faire aussi. On va le faire avec vous en papotant, tout simplement. Alors, je ne vais pas vous faire tout le tour. Bien sûr, je le ferai en off. Ne vais pas non plus vous ennuyer en. Ça arrive à me surprendre des lapins. Des fois, je. Vous savez que dans le désert, il y a les zombies ou le. Oui, les. Ceux des zombies, ouais. Qui résistent toujours. Hop là. Voilà. Alors, l'idée. Pour le moment, je vais le laisser comme ça, mais ça sera retravaillé. L'idée, les amis. Voilà. Hop. L'idée, les amis. Hop, voilà mon idée.
Je mets un écart de 3 avec la muraille. Bien sûr, j'éclairerai. Je me traie des cactus. Je me traie des trucs assez sympatoches. Il fait déjà nuit? Ah, parce que je me suis couché tard la dernière fois. Les lapins, vous me faites flipper. Arrêtez. Ah, là, c'est pas un lapin qui a fait ça. Ou alors, c'est un lapin vachement enroué, quoi. On va dormir vite fait, je suis désolé les amis, je vais prendre le lit et puis l'emmener là-bas peut-être, ça sera plus pratique. Pas le lit que j'ai dans la Céphos, mais celui que j'ai dans le... Allons, dans le coffre. Hop, hop. Hop, voilà. Fred veut faire la sieste. C'est pas marqué parce que j'ai masqué l'option du chat pour enregistrer. Hop là, voilà. Fred a fait la sieste. J'ai dit que j'emmenais le lit avec Emma. Vous voyez, ça a eu le temps de spawn hein, quand même. Ça a eu le temps de spawn. Hop, hop, hop. Oh, hop, salopard! Au prochain 30, j'irai m'enchanter une épée. Celle-là, elle est super, mais j'adore. Destructeur d'ego. Solidité 3, châtiment 4. J'essaierai d'avoir un tranchant. Avec une épée, mais je garderai précieusement celle-là, bien sûr. Qui m'a été offerte par Cacao. Et je l'en remercie encore parce qu'elle m'a sauvé la vie plus d'une fois, cette épée. Donc nous retournons au village. J'ai pas pris trop de... C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Écoutez, le temps de l'épisode. On va pas prendre trop de temps. Donc oui, je vous expliquais donc un écart de 3. Donc, je ferai une muraille. Ici qui s'élèvera, vous voyez là, comme je vous avais dit, hein, le mur comme dans Mégaton, qui est assez haut, qui s'élèvera donc avec des pièces rapportées, avec un peu de tout et de rien, comme si ça avait été empilé par là, par les habitants, que je n'entends plus d'ailleurs. Et ils sont dans les maisons. Si, si, ça, je les entends, j'en entends, ça va. D'ailleurs, le lit. Hop. Hop. Hop là, on va le mettre en hauteur, le lit de fortune. On va le mettre là. Voilà. Tout simplement. Donc, oui, comme donc dans mes dégâtons, assemblés, c'est des bouts de métaux hein, dans mes dégâtons, le grand mur, mais on ne peut pas faire des murs en métal. On ne peut pas faire des dalles de mur, il faudrait que Mojang nous fasse ça, merci Mojang. Et donc, un mur ici qui se dresserait, donc avec, on éclaterait après celui-là, hein, vu qu'il y aura le mur, il n'y aura pas besoin d'une muraille en plus. Donc, on éclairera bien la zone, on mettra des cactus, on mettra des trucs. On s'effraie le plus possible avant d'ouvrir. Et on laissera le village comme ça, les maisons comme ça. Moi, j'aime moi perso, elles ne me gênent pas. Un village du désert, justement, un village de survivants. Ils ont pris le sable, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont réussi à survivre. Voilà. Et donc, on mettra une entrée par ici, peut-être, pourquoi pas. On fera peut-être une autre maison et on fera un truc plus carré, je ne sais pas. Avec donc un portillon pour éviter aux mobs de sortir et deux grandes portes en fer. Pourquoi pas? Et donc il y aura un fossé qui ira donc de chaque côté du portillon. Et puis on verra pour mettre des pièges pour protéger le portillon des creepers et autres. Ensuite, mais on va entourer tout le village. Hop, 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 hop. Et je vais me servir pour la première fois devant vos yeux ébahis
de ma pelle de compétition. Et ça, elle va vachement m'aider pour entourer le village. Merde, j'ai pas pris ma pioche, par contre. J'ai encore ma pioche en fer. Et donc, le trou va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5. Et au fond, il y aura des choses comme les cubes de magma, un truc avec de l'eau stagnante, enfin, un truc pas, pas ragoûtant, quoi. Pas très ragoûtant, n'est-ce pas? Hop là. Donc là, on a dit... Par contre, efficacité 4, faut faire gaffe. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai touché de soi. Et que je peux donc récupérer les blocs d'herbe. Donc, on va laisser très abrupt, très comme ça, la terre, la roche, hein, parce que ça a été creusé dans le sol. Donc, on va pas y, on va juste apocalypser un peu. Donc, en rajoutant des choses du nether. Vous l'aurez compris. Donc on va pouvoir se servir d'une pelle comme ça pour le gros œuvre et avancer en bulldozer. Et d'une pelle en fer que je n'ai pas parce que je l'ai éclaté tout à l'heure. Pour les fignolages et pouvoir faire un seul trou. Tout petit rollback, ça c'est normal le rollback. C'est sur tous les serveurs. J'ai jamais vu aucun serveur sans rollback, les amis. Ça, c'est tout à fait normal. Hop. Vous voyez, j'ai vite fait de tailler dans le... Donc voilà, on fait un fossé assez conséquent. Parce que bon, nous on a... Il y a un bloc invisible. Ça, c'est le truc quand on travaille avec des efficacités. C'est un truc de... C'est un truc Minecraft, hein. C'est un truc Mojang, ça, c'est un bug. Quand ça détruit trop vite, le jeu ne le reconnaît pas toujours. C'est comme les Budswitch. Hein, les Budswitch. Ça va trop vite pour avoir le temps au jeu de s'actualiser. Là, c'est un peu pareil. On prendra le charbon qu'il y a là, par contre. Hein. Toujours preneur. Hop, vous voyez. Hop. Et là, si je déco... Vous allez voir, reco, vous allez voir, ça c'est la, il faudrait que Mojang mette ça à jour, voilà, un bloc. Il faudrait que Mojang mette ça à jour, parce que pour moi, pour le joueur, pour l'appel, j'ai éclaté le bloc, mais ça a été tellement vite avec l'efficacité 4 que le jeu n'a pas eu le temps de comptabiliser ce bloc. Donc, il est là, mais il n'est pas là. Ce qui crée un bloc invisible. Et quand vous êtes en hauteur, ça peut vous être fatal. Croyez-moi, j'en ai déjà fait les frais. Donc, voilà. C'est un bug que Mojang n'a jamais pris le temps d'arranger. C'est un petit peu dommage. N'est-ce pas, Mojang? je taquine. Ouais, bon. Hop. Voilà. Hop. Donc, de 3 ou de 2 de large. Hein. Voilà, donc sur vos serveurs ou sur vos parties, quand vous ne pouvez pas bouger et que pourtant il n'y a rien,
Bah, tout simplement, c'est déco-reco parce que quand vous faites une déco-reco, le jeu elle s'actualise et donc le bloc est de nouveau reconnu. Voilà, tout simplement, hein, il n'y a pas à s'affoler. Ça peut vous faire rager si vous mourrez comme une quiche. Rassurez-vous, hein, moi c'est pareil, hein, je suis mort comme une quiche. Alors, il y aura peut-être du re-terraforming à faire pour le mur. Parce que je veux les éloigner de 3 et là ça fait 2. Donc là ça ferait 3. Donc il y aura du re-terraforming à faire peut-être pour le mur. Pour le moment, on va pas s'en acquitter. On va pas s'en inquiéter, du moins. Je vais faire les parties les plus droites. Je vais peut-être d'ailleurs retravailler hein, pour que ça finisse en partie droite, hein, que le village soit un peu plus droit. Hein. Aussi. Je sais pas encore comment je vais faire. Hein. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Si, j'ai quand même mon idée. Je pars pas à l'aveuglette non plus. J'ai quand même mon idée, mais pour le découpage du village, exactement, pour le découpage de la barricade, je sais pas encore comment je vais. Et je le ferai au fur et à mesure, je pense. Hop, hop, hop. Je pense et je le ferai au fur et à mesure. Il me semble que le temps s'assombrit. Hop, je vais donc, si j'ai le temps, rejoindre mon petit lit en hauteur. Il me semblait que je n'avais pas fermé là. J'espère que tu es en sécurité, mon ami. Normalement, oui, il n'y a pas de mob qui est revenu. On dort à la belle étoile. Ça fait plaisir. Aïe, 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 pas dans le village, hein? Rassurez-moi. Lui là-bas. Il ne disposera pas. Non, au pied du mur. J'ai vu la fumée. Hop là. Manière qu'il n'y ait que moi qui puisse faire ça. Hop là. On va récupérer. S'il y a des flèches. Tu m'as fait peur, le lapin. S'il y a des flèches, s'il y a de l'os, je suis preneur à poudre d'os. Vous savez que moi, je suis le Charlingles. Ça, c'est la flèche que j'avais tirée qu'il a loupée, que je récupère. Merci. Vous savez que je suis le Charlingles, pas d'usine. En freelance. Comment on dit en freelance, les amis? Donc voilà, on est dans notre petite fosse. Pareil, là c'est de 1 et je vais le. Je pense que je vais. Hop là. Je vais d'abord m'attaquer aux parties droites. Et je poserai en. Donc là, pareil, là ça s'enfonce et il va falloir faire avec. Je pense que. Soit j'enfoncerai plus. Attendez, là c'est la route. Pourquoi on la garde pas parce qu'elle est pourrie. On va faire une route en grès qui mènera jusqu'à notre village. J'y pense maintenant. On la garde pas parce qu'elle est pourrie. On va garder quelques champs. On va éliminer d'autres champs. Hein. Il y a des champs qui vont s'éliminer, des champs qui vont se garder, forcément. On va garder cette maison.
tout simplement, je pense, ou on va la détruire, je ne sais pas. De toute façon, on va en construire d'autres. Donc, je pense faire un village plus grand et construire d'autres maisons. Peut-être dans le style, ou peut-être faire en sorte qu'il soit. Ah, peut-être un autre style, peut-être dans le style, je ne sais pas, je regarderai. Peut-être qu'on construira dans le style. Je me suis dit après coup, j'avais tué ce villageois qui était là-dedans, qui s'était fait bouffer. Je me suis dit après coup, t'es con, t'aurais pu le reconvertir. J'ai pas pensé sur le coup. Je l'ai tué parce que j'ai pensé à la sécurité des autres villageois. Et vu qu'il était coincé, ça risquait pratiquement rien. Donc je me suis dit, ah, t'es con, parce que t'aurais pu finalement le garder. Mais bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, je l'ai tué, je l'ai tué. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Travaux creuses. Vous voyez, on va se fixer la limite. Travaux de creusage, je ne vais pas vous creuser toute la journée. Je voulais juste vous montrer un petit peu. J'ai pas chômé ce coup-ci. Enfin, pas trop. Faut réussir à l'angle de faire un angle de 3. 1, 3, 4. C'est parfait. Si on repart là. 1, 2, 3, 4. Et donc le fossé de 3, hein, pareil, infranchissable. Infranchissable le fossé, j'aurais pu mettre le truc ici au lieu de... J'ai été con aussi. Je mets l'échelle sur le sol... Sur le seul côté qui peut... Que je vais retravailler. Alors que je l'aurais mis là. Hop, tu montes, tu fais gaffe au cactae. Oui, c'est pas une déformation, hein. Cactus, cactae. Hop là. Et comme ça, on pourra se faire en plus pas mal de verre, les amis. Avec tout le sable qu'on va récolter. Et c'est un pas de plus vers la protection des villageois. Ça, c'est un petit objectif que je me suis fixé, hein, la protection totale des villageois. Et qu'ils puissent aller et venir dans le village, hein, bien sûr, en étant protégés. C'est un petit truc que je me suis fixé à moi-même. Et je serais assez content si ça... Si ça pouvait aboutir. Écoutez. Il s'en faut de peu, des fois, pour être content. Et moi, il m'en faut de peu, il m'en faut peu pour être content aussi. Des fois, vous savez, on se contente d'un peu. Les gens dans notre époque, ils en veulent toujours plus. Moi, je me contente de peu. Je suis très bien comme je suis. Enfin, vous voyez, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, je continuerai ça en off, en monté comme ça, par contre. On va éviter de faire des escaliers qui puissent remonter. Au cas où il y a des mobs qui spawnent, qui restent bien en bas. Va falloir la blinde de torche aussi, hein, c'est pour ça que j'ai récupéré le charbon.
Mais je récupère toujours le charbon à fond. De toute façon. En cas, voilà. Hop là. Bah en tout cas, voilà, on va pas tarder à se quitter, je pense. Alors la porte, je vais peut-être la laisser là. Faire une petite place du village, peut-être ici. Laisser les champs là, faire peut-être d'autres champs, je sais pas. Je verrai, en tout cas, je me conformerai au village. Là, ils ont à moitié betterave, à moitié blé. Ils savent pas ce qu'ils font, les pauvres amis. Ils sont fous, ils sont devenus fous. En tout cas, voilà, ben moi, je vais continuer à bosser sur ce village. Tranquillou, c'est un petit épisode tranquillou, pépère. Où j'ai fait mon village, oui. Hop, je monte. Enfin, où j'ai fait mon village. Je ne peux pas quitter l'armure. Bon, bah, je ne quitterai pas l'armure pour vous dire au revoir. Mais je le ferai de dessus mon lit. Nom de Zeus Marty. Je quitterai au moins le chapeau. Pourquoi je le prends là? Je quitterai au moins le chapeau. Attendez. Regardez le bouclier, on va quitter le chapeau. On va se mettre en WF5, comme ça, debout sur le lit, tranquillement, fier comme un vaquer. Pour ceux qui connaissent Pierre Palmade, ils auront compris. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Palmade, allez voir le sketch du Scrabble de Pierre Palmade. Voilà le Scrabble. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à nous dire bisous aux filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye!